On a le sentiment que c'est au cœur de plein de thématiques, donc celle du clonage, donc celle de l'immortalité, évidemment, puisqu'il suffit de se cloner, de transférer son âme. Alors là, on a des œuvres au cinéma ou ailleurs. En fait, on a l'impression, mais celle de l'alimentation. On peut fabriquer un steak, vous allez sur Internet, cellule souche, on pourra bientôt manger des steaks fabriqués à partir d'une cellule. Je ne sais pas si c'est... Vous nous direz, c'est ça reste conceptuel, je veux dire, je ne sais pas trop au niveau du goût, ce que ça donne, et puis surtout financièrement, parce que oui, ça a été fait. Mais. Oui, c'est avec des cellules souches de bœuf... Ça, c'est à 200 000 euros le steak. Oui, voilà, c'est ça lui fasse. Ils l'ont fait comme une preuve de concept, mais après, l'application à la vie réelle, voilà, c'est pas... Alors, l'immortalité, c'est déjà maintenant, puisque il a été montré par une équipe française, d'ailleurs, qu'on pouvait faire ces cellules souches, donc reprogrammées suivant le protocole de Yamanaka, chez des gens centenaires. Donc, Et on a aussi montré que quand quelqu'un meurt, on peut trouver des cellules souches dans son organisme plusieurs jours, voire même plusieurs semaines après la mort, elles sont encore présentes. Donc on est effectivement vraiment aux frontières de l'immortalité dès maintenant. Donc on y est en vrai, parce que dans les films, on a déjà vu, nous, la reconstitution à partir... Alors, dans beaucoup de films de SF, mais la reconstitution d'un être complet à partir d'un... d'une cellule, voire même du dinosaure à partir d'un bout d'os. Ça, nous, on l'a déjà vu au cinéma. Mais donc, vous dites que alors, c'est possible, on peut rajeunir. Ça, je pensais que c'était sur Internet, mais que c'était quand même pas complètement vrai. Bah, on pourrait, à partir de quelqu'un qui est mort relativement récemment, récupérer les cellules et ensuite redériver à partir des cellules de cet individu toute une série de cellules de différents organes. On n'est pas quand même à l'heure actuelle capable de refaire un individu entier. Et son imaginaire et ses sentiments et sa mémoire. Oui, ben voilà. Les ils sont déchaînés, je ne tiens plus. C'est la notion. Parce que là, du coup, on part sur du matériel, donc c'est du vivant, mais après, est-ce que ce serait un individu identique au niveau biologique, mais la personnalité, c'est... Alors, attendez, moi j'avais vu aussi qu'on avait pris des cellules de personnes très âgées, j'ai vu qu'on avait pris des cellules chez des gens qui avaient 74 ans, 100 ans, etc., qu'on avait réussi à les ramener au stade de cellules souches, mais je me demandais, est-ce que, à la limite, on peut traiter globalement un individu? Mais qu'est-ce que ça veut dire ramener une cellule à un stade indifférencié ou pluripotent? Est-ce qu'on peut imaginer dans un cauchemar de scientifique de prendre un centenaire et de le ramener à l'état d'un espèce de bac de protoplasme qui se différencierait progressivement, peut-être comme le fait le fœtus, enfin, pour revenir au stade adulte? Ou est-ce que on peut le traiter organe par organe en lui injectant des cellules souches qui vont réparer les vieilles cellules fatiguées dans tous les lieux où c'est nécessaire, et à ce moment-là c'est l'immortalité sans clonage par rajeunissement de l'individu? Est-ce que ça c'est envisageable? Alors oui, c'est ça qu'on est potentiellement capable de faire à l'heure actuelle, c'est-à-dire c'est d'agir sur chaque organe quand il y a une maladie qui apparaît, une maladie de Parkinson, on va aller traiter la zone de Parkinson dans le cerveau et injecter donc ces cellules souches pour donc lutter contre faites le vite, Parkinson. Faites vite. Quand il y a un infarctus du myocarde, on va aller injecter des cellules dans le cœur pour lutter contre la zone de cicatrice séquelaire de l'infarctus. Donc ça, on est tout à fait capable de le faire à l'heure actuelle, avec des résultats qui sont pour l'instant quand même relativement modestes. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment capable de guérir à l'heure actuelle, on est plus capable d'empêcher une évolution plus importante. Donc il reste encore beaucoup à faire sur, Karim l'a dit, le type de cellules souches, le degré de maturation auquel elles doivent être injectées, le nombre, les allos, les auto-cellules souches, etc. Donc pour l'instant, on commence à le faire, mais les résultats sont quand même modestes. Alors ça veut dire qu'on a probablement, dans quelques temps, la perspective d'augmenter la longévité de manière significative, en tout cas si on est optimiste. C'est le premier résultat auquel on peut aboutir. Et la science-fiction a pas mal réfléchi à la manière dont... aux questions que se poserait une société dans laquelle la longévité aurait énormément augmenté.
parce que qui dit individus qui vivent plus longtemps dit population qui s'accroît, à moins qu'on ne restreigne les naissances. Enfin bon, à quoi ça vous fait penser cette idée de longévité extrême, à part Asimov peut-être? À tout, parce que c'est le mythe. Bon, le je pense, en regardant un petit peu, le cinéma a été encore beaucoup plus efficace que la littérature pour explorer tous ces thèmes, depuis Bienvenue à Gattaca, qui reste quand même un des grands chefs-d'œuvre qui nous montre la chose. Enfin, moi je dirais, en pensant à Bienvenue à Gattaca ou encore à Bassi Galoupi, que plus ces recherches qu'on attendait tout d'un coup, l'effet de vertige est fort, parce qu'on se dit, mais alors on croyait que c'était seulement des possibilités. Du rêve, une possibilité, on l'avait lu dans les livres, on l'avait vu dans les films, et puis ça va être vrai. Et là, ma première réaction, c'est ce que la science-fiction nous dit quand même, les œuvres de science-fiction, c'est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et toujours la même chose, c'est-à-dire que, mais qui aura le droit de ne pas vieillir? Qui profitera de ça? Vous savez, dans Avatar, le héros qui se transforme en Avatar, son problème, c'est qu'il est soldat, il revient du front. On pourrait lui faire des jambes, sans doute avec des cellules souches ou autre chose. Seulement, il ne peut pas, parce qu'avec sa solde d'ancien de l'armée, il est obligé d'accepter la mission et il n'a pas de jambes. Et souvenez-vous, dans le film, s'il fait cette mission, alors il pourra être opéré, avoir ce traitement de riche et récupérer l'usage de jambes. Et c'est pour ça qu'il accepte. Donc en fait, on est toujours, même dans les univers les plus magnifiques qui soient, qui profitera de... Alors ça pose tout de suite la question de pour quel pouvoir, pour quel... Est-ce que c'est pour tous? Non, c'est... Et là, ce que la science-fiction nous écrit quand même, c'est que la vraie question, elle est des sociétés qu'on va construire. On a, je pense même au... Vous voyez le Faust de Serge Lehmann qui date d'il y a quelques années et qui était si beau du point de vue de ses anticipations, il montrait le village, le monde du village, c'est-à-dire les grandes capitales européennes reliées, et puis autour le no man's land, des gens qui ne sont rien, des populations entières qui régressent quasi à l'état de bête, vivant sur des poubelles, et puis effectivement le village des gens heureux, beaux, écologiques, jamais vieux, quasi immortels, cultivés, éduqués, lecteurs, etc., etc. Et en fait la seule, ma vraie question, c'est est-ce qu'on arrivera à partager ce savoir pour tous, ou est-ce que ce sera de plus en plus la guerre de ceux qui seront soignés, ceux qui ne le seront pas? Alors, Sociant, bienvenue à Gattaca. Donc depuis quelques mois, ce n'est plus du tout de la science-fiction. Si vous vous souvenez, dans Bienvenue à Gattaca, la jeune femme récupère un cheveu de son compagnon, elle va le porter dans un kiosque à journaux, hein, et on lui rend la carte génétique de son compagnon, on lui dit « vous avez tiré le bon numéro, il faut absolument le garder, il est parfait ». Et donc, pour quelques milliers de dollars, hein, ça n'a pas coûté cher, pour à peu près 2000 dollars et moins de 10 minutes, on peut donc faire votre carte génétique, hein, ça s'appelle l'exome, on peut le faire à Nantes d'ailleurs, et donc à l'université, et on sait maintenant dans cette carte identifier un certain nombre de facteurs de risque de maladie, et il y a un grand scientifique qui s'appelle Snyders qui a publié un papier il y a juste quelques mois où en fait il a fait ça sur lui-même, et il a une cinquantaine d'années, il était plutôt fort et bon vivant. Et ensuite, il a suivi l'expression de ses gènes pendant 18 mois et il a vu apparaître chez lui-même un diabète qu'il a mis en relation avec un certain nombre d'événements, d'infections, etc. qui lui sont arrivés et qu'il voyait sur le plan biologique apparaître sur les examens. Et donc, il a publié ce papier en disant qu'il était très content parce que finalement son diabète avait été découvert au stade de pré-diabète, ce qui lui avait permis de se mettre au régime et d'arrêter de manger tout et n'importe quoi. Mais donc voilà, on n'est plus du tout dans la science-fiction, on est dans la réalité accessible. Alors, Jean, puisque vous êtes dans des domaines qui posent évidemment des questionnements éthiques et sociaux très très importants et qu'il va falloir se poser très vite, souvent on se tourne d'une manière très critique vers les chercheurs en leur disant vous ne vous souciez pas des conséquences de ce que vous faites. C'est une critique qu'on formule souvent. Moi j'aimerais bien savoir d'abord si vous considérez que c'est à vous de contrôler votre propre activité et de décider si elle est pertinente socialement ou pas, où doit se décider
cette éthique et comment réfléchir à l'éthique dont nous avons besoin. Est-ce que vous, par exemple, vous vous tournez vers la science-fiction pour savoir si elle a déjà abordé les questions, quelles difficultés économiques, morales, politiques commence-t-elle à permettre de capter voilà, où se situe la responsabilité éthique, sociale et politique? Alors, pour moi, les choses sont assez claires. De toute façon, le chercheur, y compris Yamanaka, je ne suis pas sûre qu'en 2006, il ait saisi toute la portée de sa découverte. Il faut fiche la paix au chercheur, parce qu'on ne sait pas à l'avance si quelque chose va être important ou pas important, et quelquefois, c'est plusieurs dizaines d'années d'après qu'on s'aperçoit qu'on a fait une découverte fondamentale. Par contre, ce sur quoi il faut réfléchir, c'est l'utilisation de la recherche. Et c'est là qu'il y a un débat citoyen et sociétal à avoir sur des décisions collectives à prendre sur, ben oui, on utilise ça ou ça, non, on y renonce définitivement. Et à ce moment-là, le chercheur, il devient un citoyen comme un autre, avec un point de vue personnel. Mais je pense qu'il faut vraiment faire une distinction entre la recherche et l'utilisation des résultats de la recherche. Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui a été... Bon, là, on l'a vu beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale avec la notion de responsabilité qui était distribuée. C'était, je ne suis pas responsable, j'ai fait que suivre les ordres, ce n'est pas moi qui fais ci, ce n'est pas moi qui fais ça. C'est vrai que c'est éthiquement parlant, ça pose vraiment un problème de dire est-ce que le chercheur n'est pas quand même malgré tout responsable de ce qui pourrait être fait derrière de son... Il faut voir quand même que le chercheur, il est focalisé comme sur une thématique en particulier auquel il va essayer de répondre à une question qui n'est pas sans forcément voir l'impact que ça peut avoir après, la dérive, comment ça peut être dérivé par d'autres personnes. Parce que déjà, le travail qu'il faut faire pour émettre ses hypothèses, travailler sur le sujet, on n'est déjà pas sûr que ça marche. Et ça prend tellement de temps que... humainement pas possible de commencer à se d'imaginer l'impact sociétal dans toutes ces détails, c'est juste impossible quoi. Donc on est obligé, je pense que le chercheur fournit les connaissances et comme disait Patricia, il faut qu'ensuite il y a un effort général pour que ce soit utilisé correctement et qu'il n'y ait pas de dérive. Moi, je pense vraiment que le chercheur, il n'est pas plus responsable que l'écrivain d'utiliser son cerveau et son imagination. Si on prend l'exemple de Herbert et de Dune, pourquoi l'exemple de Herbert et de Dune? Parce que, selon moi, mais Karim pourra le dire, il connaît bien l'œuvre. Pour moi, la première apparition des cellules souches dans mon imaginaire... Je le dois à Dune et je le dois au Texalou et au Gola, à la création des Gola, Duncan Idaho qui est un Gola, et les Texalou maîtrisent complètement dans Dune la reproduction artificielle à partir de cellules de l'individu. Voilà, donc c'est bien que tu valides parce que j'étais pas sûre que ce soit vraiment des cellules souches. Alors je me suis interrogée sur qu'est-ce qui était arrivé en premier. Puisque les travaux de... Alors j'ai noté parce que quand même ça c'est donc Crick et Watson qui ont découvert la double hélice de l'ADN en 53. Ils ont commencé à travailler sur les gènes en 51. Et je crois Crick, l'un des deux, devient Nobel en 62. Or Dune est publié en 65. Donc 10 ans après, bon, ça a été un énorme, je pense que ça a été un énorme événement mondial et que Herbert ne pouvait pas ignorer ça. Donc, mais il y a assez peu d'écart. Et ce qui est évident, c'est que dans cet aller-retour entre qui initie quoi, moi je pense qu'à un moment donné, l'état de conscience des humains fait que on n'invente rien, on est tous dans les mêmes choses, quoi. Les mêmes idées naissent aux mêmes endroits, en plusieurs moments, sous plusieurs formes. Et puis après, il y a l'originalité du porteur, et ça n'appartient qu'à une personne. Ouais. Mais je crois que dans ce croisement des deux travaux, ils se sont forcément
Peut-être que les chercheurs ne connaissaient pas Herbert, ça c'est possible, parce que Herbert n'est pas devenu le Herbert aussi vite que ça. Lui, il devait avoir entendu parler des... Alors, qui est le plus coupable? Est-ce que c'est le chercheur? Est-ce que c'est l'écrivain? Ou tout le monde? L'écrivain, il met en garde, mais aussi, il nous fait rêver de ça. Il nous fait autant rêver d'un monde où on maîtriserait les naissances et la génétique que d'un où on serait immortel, etc. Quand l'écrivain nous met en garde contre les dangers, il nous fait aussi rêver d'être cette personne éternelle depuis Frankenstein et depuis la nuit des temps. Donc il est tout aussi coupable que le chercheur. Moi, j'aurais tendance à dire que le vrai coupable, c'est le citoyen qui ne lit pas de science-fiction par les temps qui courent. Parce que celui qui lit de la SF, c'est pour ça que c'est une littérature qui, à mon avis, est totalement nécessaire. Peu importe ses chiffres de vente et ses rayons en librairie et les difficultés qu'on a selon les périodes, mais elle est artistiquement, esthétiquement et humainement nécessaire, et surtout elle contamine les intelligences et partout, parce que c'est la seule qui arrive à regarder tout ça globalement. Et je crois que et les chercheurs et les écrivains et les artistes et tout le monde, on a tous les moyens de savoir ce qui va nous arriver, puis après d'opérer des choix conscients. Le problème, c'est que tout le monde n'ait pas accès à ce savoir-là, et tout le monde ne puisse pas participer à ces choix qui concernent l'humanité entière. Je pense pas que les chercheurs sont dangereux, pas plus que les écrivains. Non, je pense pas qu'il faille chercher un coupable, hein. C'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est simplement qu'il y a effectivement un certain questionnement, et je crois que tu as raison. Le questionnement, c'est à nous tous, c'est à chacun d'entre nous de se poser la question. Ben, c'est bien, vous êtes là, vous êtes déjà dans la démarche, et tous les gens qui sont pas là. Je devrais être là. Et c'est tout ce questionnement. Par contre, il ne faut pas arrêter. Il ne faut surtout pas arrêter de chercher. Parce que si on arrête, on n'avancera plus. Et justement, il y a un double moteur de la science et de la fiction qui doivent s'entraîner l'un l'autre. Donc merci de nous faire rêver, en tout cas. Mais c'est vrai que ces conséquences sur les sociétés qui vont se mettre en place et qui bénéficieront de ces outils doivent être anticipés. Moi aussi, ça me paraît évident que c'est pas aux chercheurs, c'est pas les chercheurs n'ont pas à être totalement pluridisciplinaires et à être à la fois des philosophes, des sociologues, à être capables d'anticiper les évolutions techniques qui vont découler de leurs travaux. On peut pas tout leur demander à la fois. C'est pas des surhommes, malgré toute l'admiration qu'on a pour eux. Ils sont spécialistes dans un domaine, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont si bons dans ce domaine. Mais la grande question, une des grandes questions de notre société actuellement, comme disait Marion, on n'a pas vraiment de structure de réflexion pluridisciplinaire qui pose collectivement la question de la manière dont on doit encadrer, non pas ces travaux, mais l'utilisation de ces travaux. Et moi, la grande crainte que j'ai, c'est que ce soit des facteurs économiques qui, à l'arrivée, soient les seuls à décider de ce qu'on met en œuvre et de qui a droit d'en bénéficier. La science-fiction ne prend pas ce facteur systématiquement comme facteur clé. À qui faudrait-il rendre obligatoire la lecture des œuvres de science-fiction, au-delà du fait que tout le monde devrait les lire? Moi, je me dis actuellement, c'est les grandes firmes médicales, pharmaceutiques, industrielles, qui décident pour nous. Comment on pourrait réguler ça, les uns et les autres, côté science-fiction, côté science? Qu'est-ce qui pourrait faire barrage? Alors, en fait, il y a un cadre. Hein. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de cadre. Il y a un cadre, c'est même une loi. Ça s'appelle la loi de bioéthique. Elle a été remodifiée cette année. Elle est extrêmement précise, et en particulier en France, elle interdit l'utilisation des cellules souches embryonnaires, sauf dérogation qu'il est difficile d'obtenir, ce qui fait qu'elle met la France en difficulté pour développer ses recherches, parce qu'en fait, les cellules qui ont été produites par Yamanaka, pour savoir que c'était bien des cellules souches intéressantes, il fallait les comparer, et il fallait les comparer aux cellules souches embryonnaires. Si on n'avait pas eu les cellules souches embryonnaires, jamais Yamanaka et jamais personne n'aurait trouvé ce nouveau type de cellules souches. Donc c'est très important de pouvoir continuer à travailler sur les cellules souches embryonnaires. Or, c'est une recherche qui n'est pas autorisée en France, sauf dérogation très difficile à obtenir. Donc le cadre, il existe, il est législatif. Le résultat, enfin la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce qu'il y a un lobby très important en France
de l'Église catholique, hein, qui a lutté très efficacement à l'Assemblée nationale pour faire passer des amendements donc empêchant donc l'utilisation de ces souches embryonnaires. Donc c'est quelque chose que il faudrait faire évoluer. Les législations sont différentes d'un pays à l'autre. Donc notre pays est parmi les plus restrictives. D'autres pays sont beaucoup plus ouverts, en particulier les pays anglo-saxons. D'autres pays n'ont pas de régulation, ce qui là pose problème. Et en France, il y a quand même des comités d'éthique partout. Il y a des comités d'éthique dans les hôpitaux, il y a des comités d'éthique qui donnent des autorisations pour faire des protocoles, il y a des comités d'éthique dans les grandes institutions scientifiques, et nous avons un comité national d'éthique qui a participé très activement à la rédaction de cette loi. J'ai l'air de regretter que... Ben alors, en même temps, si pouvoir travailler sur les cellules embryonnaires, c'est permettre le clonage humain, finalement. Non, pas du tout. C'est avoir au laboratoire un outil qui permet de faire des comparaisons et des études. Voilà, c'est un outil parmi d'autres, mais qui est extrêmement important pour développer d'autres outils. Pour vérifier si les cellules souches ont bien les mêmes caractéristiques que les cellules embryonnaires que l'on utilisait jusqu'à présent. Oui. Et puis, même pour le, voilà, il y a probablement dans les années qui vont venir, des modèles vont être mis au point à partir de cellules souches induites, à partir d'un individu, et permettant la mise au point de thérapie pour soigner l'hypercholestérolémie ou je ne sais quelle maladie. Et ça découle de toutes les connaissances qu'on a pu acquérir grâce aux cellules souches embryonnaires. Sans ça, ça aurait mis bien beaucoup plus de temps ou ça ne serait pas arrivé du tout. Alors j'avais une remarque par rapport à ce que vous disiez avec la corrélation entre Watson et Crick et la découverte de la structure de l'ADN et la publication de Dune. Alors, en fait, Herbert avait très bien travaillé son sujet et, parce qu'en fait, donc, dans Dune, il y a une civilisation qui utilise les cellules d'une personne pour les amener dans une cuve qu'il appelle les cuves axolotes pour ensuite régénérer un individu entier. Et en fait, l'axolote est un modèle de développement qui a été étudié dans les années 1920-1930, où les chercheurs ont pu mettre en évidence que pendant le développement, un territoire de cellules qui, par exemple, devait donner des muscles pouvait être déplacé pour donner autre chose. Et donc, c'est un peu les premiers travaux qui montrent la plasticité des cellules pour ne pas être complètement figées vers un destin cellulaire. Et il s'est beaucoup inspiré de ça pour développer son modèle de cuve. L'autre chose, où ça rejoint la discussion qu'on avait eue avant sur le fait de générer un individu à partir de cellules, mais on n'a pas la mémoire ou la personnalité. Et en fait, c'est un peu le cas dans Dune, jusqu'à ce que, à force de répliquer la même personne, parce qu'en fait, ce Gola Don Calidao est répliqué plusieurs fois donc sur des millénaires, Frank Herbert introduit la notion de mémoire cellulaire qui peuvent être récupérées ensuite par l'individu pour récupérer toutes ses mémoires de toutes ses vies. Et c'est assez intéressant parce que donc ça fait pas si longtemps qu'on arrive à reprogrammer des cellules de peau en cellules souches, et donc ça fait à peu près 5 ans maintenant, 5-6 ans, et on s'est rendu compte qu'effectivement il y a une mémoire épigénétique, qu'on appelle épigénétique, donc le génome lui-même code pour une information qui va nous identifier, et le génome lui-même a des modifications qu'on appelle épigénétiques, et ces modifications peuvent perdurer lorsqu'on reprogramme les cellules en cellules souches. Du coup, il y a une forme de mémoire en fait qui est moléculaire et que Herbert a pas imaginé assez, enfin il a été assez loin dans son imagination, mais et pas si loin que ça dans le niveau du concept de maintien de la mémoire. Une des choses qui me frappe quand même toujours quand on est là, on parle de découvertes scientifiques de pointe très récentes et qui nous créent donc cette espèce de vertige dont je parlais, parce qu'on se dit alors c'était vrai, mais en même temps finalement ça fait depuis les mythologies initiales on pense la même chose et toujours la même chose, c'est-à-dire cette
On peut reproduire des corps et on peut transporter des âmes. Et donc, qu'est-ce qui définit l'homme ? Est-ce que c'est le... Où est le siège de l'âme ? Où est le siège de l'âme ? Et c'est la question éternelle depuis la nuit des temps. Est-ce qu'elle gît dans une cellule ? Mais alors, quid des affects et des conditionnements environnementaux, familiaux, etc. Et donc, on est toujours dans cette vieille interrogation sur qu'est-ce qui définit l'homme ? Est-ce que c'est son corps et ses cellules, ou est-ce que c'est son vécu ? Ce thème-là, il est exploré en permanence hein, au cinéma. Donc on enlève la mémoire, on la rebranche, le héros part en quête de sa mémoire qui a été effacée, il est manipulé, on lui met la mémoire d'un autre, on change de personnage, enfin il y a une bibliothèque de films, tous aussi bien les uns que les autres, parfois mauvais, mais c'est pas grave, ils sont des belles histoires de ce type, jusqu'à Matrix où Mr. Smith finit par dire le cancer de la planète, c'est l'homme. Parasite. Vous êtes le parasite de la planète, mais pas seulement dans enfin il y a aussi de nombreux films où finalement le robot il est plus rationnel, etc. Et il finit par évacuer la question des affects et de tout ce qui vient perturber cette planète, puisque l'homme, ce renversement est toujours. Enfin, on est toujours dans la même. Et ce qui est troublant, c'est que finalement c'est une interrogation qui est initiale. Et la science, progressant à ce point, ne fait que reposer toujours cette question de qu'est-ce qui définit un humain et pourquoi... De toute façon, on répond...